Mon corps, comment ça va? Ça va bien, toi, JF? Super bien. Spécial hockey aujourd'hui, mon corps. Euh, moment des, de l'année assez intéressant. Cette année, c'est spécial, mais championnat junior. Je pense oui, que ça ressemble habituellement à bien du monde dans leur salon. Cette année, on, on va regarder ça sur Zoom avec nos chums. Mais euh, on oui. a un classique, un gars qui revient. Dans la tu étais seul avec. Euh, là, on a deux invités avait... en même temps. Il y a ton chouchou mmh. qui va être là. Ben oui, merci euh, de on ajoute euh, Simon Snake Boisvert qui va nous parler de... championnat du monde junior 2021. Oui, on ouais. va faire le tour de Team Canada, des meilleurs joueurs, de, de, du repêchage des joueurs qu'ils voyaient à l'époque, tout ça. Fait que, euh, écoute, euh, on va aller le rejoindre. Avant, on a deux commanditaires, deux partenaires yes. aujourd'hui. Les Boys de Norton Baller, qu'on va avoir aussi dans une chronique après. Euh, vous écouterez ça, juste avoir comme l'idée derrière l'entreprise, puis la vision court, moyen, long terme. Euh, Oli et Mick, vous écouterez ça, là, on a bien hâte de les avoir. Ben ouais, puis euh, puis ça, on, on a Norton Baller, uh, nortonballer.com, Baller.com font des vêtements, Trouve ton art, ils vont tous vous expliquer un peu le, le procédé, mais allez les encourager, c'est des, des partenaires très fiables exactement. Puis euh, notre autre euh, commanditeur, c'est celui qui est là euh, depuis un petit bout avec nous autres depuis le début de l'année en fait, Construction oui. Solimax, Joe Grenier, contracteur général sur la rive nord depuis 20 ans. Il n'y a pas de site internet donc pour le contacter 514 290 2326. Super bon body. On, on est juste avec des bons bon monde nous autres de toute façon, fait que euh, Joe Grenier au 514 290 2326. Salutations à nos, nos, nos partenaires de TVC Argenteuil aussi, les gens qui sont dans le secteur d'Argenteuil. Euh, vous allez pouvoir nous regarder à Emma TV. Du jeudi au dimanche, les heures varient, juste aller sur leur site tvcargenteuil.com. Aujourd'hui, tu, tu bois tu de quoi pour accompagner tout ça, notre petite soirée? Euh, petite, poche bleue, petite poche bleue. On est deux. Petite poche bleue. Achève ma bouteille. Il va euh, que j'achète d'autres alcools parce que là, je vais juste boire ça et les bouteilles baissent trop vite. <laughs> Euh, on va Donc, rejoindre euh... les boys de Norton Baller, quoi, ben, Je pense qu'on va. Euh, pas Norton Baller, c'est tantôt, mais on va rejoindre Snake et Max Hawk. Je pense qu'on va avoir bien du fun avec eux autres. Allons-y. Simon Boisvert, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, messieurs? Ça va très bien, ça va très bien. Très bien. Merci. bien. Simon, euh... Euh, la dernière fois, tu étais en solo avec David. Aujourd'hui, on en a trois <laughs> pour toi. C'est intimidant. <rire> <rire> tu vas voir, ça va bien aller. Comment je commence ça? Ben tranquille. Comment va la santé? Comment ça va, toi, la COVID et tout ça? Là, ça se passe bien? Ben, ça va bien parce que moi, ça fait quasiment 30 ans que je travaille à maison. En <laughs> okay. okay. quelle demande, toi, Simon? Outre que. que... Traduction. Guitar, et... Traduction. OK. okay. okay. Fait que, de, du côté professionnel, euh, ma vie n'a pas bien changé. <laughs> C'est tant, bon, tant mieux. En plus, bon. il y, 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 euh, y a un gros happening qui s'en vient d'une coupe de jours. C'est pour ça ce qu'on voulait t'avoir. On a ouais. fait déjà un épisode sur le, le draft qui vient de se passer au mois d'octobre 2020 avec toi. On voulait te, ton opinion, mais on voulait aussi te revoir pour cet épisode-là qui est euh, pré-Championnat euh, du monde junior pour que tu nous parles euh, des équipes en place, des équipes, des jeunes que tu vois dominer, puis aussi des gars qui ne sont pas repêchés encore qu'on peut peut-être euh, s'attendre ou, ou porter plus attention dans le tournoi de cette année. Fait que, euh, on, on va y aller de même. Uh, GM, vas-y. Ben, en fait, on 3 va 3 commencer bien simplement. On y va avec Team Canada en commençant, puis on sortira d'autres équipes. On va y aller avec le, le. Ce qui intéresse les gens, je pense, en partant. Là. Euh, moi, ma première question pour toi, Simon, c'est là, tu as vu le roster qui s'en vient. Euh, J'ai juste envie de savoir ta surprise qui est sur le line-up et ta déception qui n'est pas sur le line-up en commençant comme ça. Il n'y en a pas. <laughs> Excellente Ex question de ma part. Je vais t'expliquer pour... pourquoi. Euh, moi, par les années passées, depuis, euh, que, depuis que je suis ça, ça fait très longtemps que je suis ça, j'étais d'ailleurs euh, au match euh, en Noël 78, quand Wayne Gretzky avait joué, avait joué pour le Canada au Forum contre la Tchécoslovaquie. Mais la raison pour laquelle je te raconte ça, c'est parce qu'il y avait 3000 personnes. OK. Écoute, le championnat junior dans ce temps-là, c'était rien. Ça, ça, Il y avait quelques matchs à la télé ceux du Canada, mais ce n'était pas l'événement que c'est devenu depuis à peu près 25 ans. Okay. C'est euh, une vache lait pour TSN et puis RDS. Et puis euh, en tout cas, tout ça pour te dire que depuis le temps que je suis ça, euh, j'ai trouvé qu'à un moment donné, le, le, les, les Hockey Canada en étaient rendus à faire des équipes qu'ils essayaient de bâtir comme des équipes de la Ligue nationale. Mm -hmm. Puis moi, ça me frustrait à chaque année de voir qu'on ne choisissait pas les 12, 13 meilleurs joueurs offensifs. Okay. On y allait toujours avec l'idée du top 6, bottom 6, puis avec des rôles, puis ah, ben lui on va le mettre sur le quatrième trio. Autrement dit, c'était rempli de plombier. Okay. <laughs> Là, cette année, à ma grande surprise, sur les 14 attaquants, il y a 14 joueurs offensifs. <laughs> okay. J'en suis pas revenu. Et puis, euh, écoute, on, ça se peut qu'un gars comme Philippe Thomasino oui. euh, joue sur le bottom six. Oui, qui est un. Puis Philippe Tomasino, c'est tout un espoir. Élite, oui, c'est ça. Oui, c'est un, moi... un joueur junior élite et c'est un bel espoir pour la Ligue nationale. Moi, moi c'est que... Je... Ils ont très bien je... fait ça. Ils ont résisté à la tentation parce que ouais. pourquoi ne pas mettre les meilleurs attaquants? Tout à fait. Tu joues contre des clubs qui n'ont pas de profondeur en général. Alors, imagine-toi le quatrième trio du Canada contre le quatrième trio de la Suède c'est un mismatch total. Ben oui. Mais si tu envoies trois plombiers, bien là, tu, tu, tu rétrécis l'écart entre le Canada et la Suède. Parce que tout le monde a un bon premier trio. En fait, dans les équipes euh, élites, tout le monde a un bon premier trio. Mais il n'y a personne qui a un quatrième trio. Exactement. Ou même un troisième dans des Moi, Simon, ce que, ce que je voulais te dire, c'est parce que moi, je t'ai connu en te ans sur le blog de la presse Mathias, puis tu t'offusquais souvent oui pour ça, tu sais, des plombiers sur le bottom six, mais tu ah, t'offusquais oui. aussi quand il n'y avait pas de jeunes de 17 ans, des undrafted sur le line-up. Cette année, il n'y en a pas pour le Canada, pour le oui. J'ai euh, pas, pas de problème avec moi, ça, ça parce okay. que il euh, y, y a tellement de bons jeunes que. Et, et, et du côté du Canada, il y, y a des bons joueurs, je crois, dans le prochain repêchage qui sont admissibles. Je pense à un gars comme Ken Johnson qui joue pour l'Université du Michigan. Et ouais. Ken Johnson, je ne peux pas dire qu'en ce moment, il est meilleur que les 14 attaquants qu'ils ont choisi. Pas en ce moment. Si. Il, il, va, il va le devenir dans la Ligue nationale. Mais ça n'aurait pas été justifiable. Alors que par des années passées, je me disais ben, pourquoi Tyler Seguin n'est pas là. Ouais. Il est meilleur qu'un tel, un tel, un tel, un tel. Pourquoi Ryan nugent hopkins n'est pas là? C'était drôle parce que ces gars-là ne jouaient pas au championnat junior, mais huit mois plus tard, il étaient dans la NHL. Ben oui. Puis ceux qui étaient au championnat junior, ils se retrouvaient dans la Ligue américaine. C'est vrai. Sous prétexte que oh, c'est un tournoi de joueurs de 19 ans. Non, c'est un tournoi où tu prends les meilleurs. Oui. Mais, mais cette année, je pense qu'il n'y avait rien, à mon avis, qui justifiait euh, de prendre euh, des, des, des 16 ans ou des 17 ans. Parce okay. bon. que bon, tu bon, ben, dans, des équipes, dans des équipes. Passé, il y a eu souvent des joueurs qui, qui n'ont même pas fait la Ligue nationale. Ils ont été repêchés, mais ils n'ont pas beaucoup de matchs en Ligue nationale, ils n'ont pas joué du tout. Est-ce que tu as l'impression pourrait y avoir un ou deux joueurs dans cette triple là ou tu as vraiment l'impression que ces joueurs-là, c'est des NHLE, euh, peu importe le trio? Là? Écoute, euh, je ne veux, veux pas m'avancer sur des noms parce que souvent c'est très circonstanciel. Hein? Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça dépend du depth chart des équipes, ça dépend du développement du joueur, des. De, ça, leur prédire l'avenir d'un joueur. Je trouve ça toujours, ce l'élément que je trouve le plus difficile, c'est de savoir où est-ce qu'il va se retrouver. Ouais. Mais je te dirais que quand je regarde la liste, probablement qu'il va, écoute, il va peut-être en avoir un ou deux okay. qui n'auront okay. pas mon une monde. grande carrière. Je ne peux pas te dire lesquels, mais juste savoir ça, euh, puis avec l'expérience passée, mais maximum un deux. D'après moi, les autres, c'est. il est chaud, je y, moins, y a au moins garanti 12 années de chaleur là-dedans. Okay. Dans les attaquants, je te parle. Ouais, ouais. Max, tu avais une question, Oui, ah, y a-tu une équipe qui a la défensive puis un goaler qui va avec ça pour arrêter l'attaque du Canada dans ce tournoi-là? Il y en a une. Euh, écoute, je te dirais que du côté gardien de but, il euh, y a évidemment Askarov avec les Russes, puis il y a Spencer Knight avec les États-Unis. Cependant, du côté des Russes, la défensive, je la trouve très jeune. Elle est talentueuse, mais elle est jeune. Euh, un gars comme Cheka, qui a 17 ans, s'il si a un rôle prépondérant, ben, tu sais, puis c'est pas non plus, euh, tu sais, c'est pas, pas Quinn News ou Kelmakar. Donc, si un joueur de 17 ans a un rôle prépondérant, c'est pas bon signe. Mm -hmm. Du côté des États-Unis, euh, oui, eux autres sont plus balancés. Ils, ont, ils auraient peut-être la défensive pour. Euh, euh, Faire la vie dure au Canada avec des gars comme Cam York et puis euh, le fils Jake. de Sanderson, là, Jake Sanderson, Sanders. okay, mm -hmm. euh, puis Spencer Knight. Mais je ne sais pas comment tu peux arrêter cette attaque-là. Ben, encore là, comme tu parlais, <laughs> c'est les mismatchs, tu sais, c'est qu'on va oui. arriver contre la troisième paire avec une quatrième ligne. Ça va être euh, McMichael Michael avec euh, Thomasino puis euh, je ne sais pas ben, tu oui, vois vois tu mets Thomas je... contre la quatrième ligne ou puis la troisième paire <laughs> des États-Unis. Ils vont finir par passer. Ils vont finir par passer. Puis la première paire, oublie pas, il y a Kirby, la, la première ligne, il y a Kirby Doc qui était dans la Ligue nationale l'an passé. Oui, oui. Ouais. Tu sais, il, y a, il y a quatre joueurs normalement qui auraient pu être là, là. Capocaco, Alexis Lafrenière, Jack Hughes et puis Nick Robertson. Donc, ouais. les États-Unis ont perdu deux joueurs à la Ligue nationale. Le Canada en a perdu un, euh, Lafrenière. Ouais. Et la Finlande en a perdu un. Mais le Canada a gagné Kirby Doc. Ouais. Et, et, et ça, c'est une surprise parce que le gars a fait toute la saison à Chicago, puis ils l'ont laissé aller. Mm -hmm. ouais. Et normalement, Kirby Doc devrait être le meilleur joueur du tournoi. Il devrait être archi dominant. Okay. Euh, là, c'est une, une régression totale pour lui. Là, après avoir, euh, puis il a, il a très bien fait en fin de saison à Chicago. Tu voyais qu'il était déjà. Oui. Euh, il est vraiment un HLR -er établi. Mais lui, moi, je pense que Kirby Doc va faire. Ça, ça va être le party Kirby Doc euh, <laughs> C'est ma prédiction aussi. Puis je vois, je vois Byfield très bien compléter Doc sur un power play. Euh, ouais. Remplir le net, puis euh, ça, ça va être dominant, ça va être le fun à regarder. Euh, je voulais t'amener, c'est sur les joueurs du CH qui sont au tournoi. Oui. Euh, ouais, ben c'est ça. Ben Egoulé, ouais. Cofield. Euh, c'est qui le troisième pas euh, ah, a, ah ben oui, il y a, a Mizak. Oui. Um, Cole Cofield, l'an passé, pas eu gros de l'Est c'était sa deuxième pairing en Powerplay à cause de Wallstrom, en avant de lui. Tu vois-tu un gros tournoi cette année pour, euh, pour Ben, jou joueur de 19 ans. Euh, qui va jouer sur tous les jeux de puissance. Euh, moi, je pense qu'il va marquer des buts. Mm -hmm. La question est de savoir contre qui il va les marquer. Mm. Ouais. S'il en si met cinq dedans contre l'Autriche, <laughs> euh, il ne va pas falloir que les Fafans s'emballent. <laughs> Pardon, c'est tout. <rire> <rire> Puis, euh, tu vois où le spot à goulé dans le spot du Canada? Euh, moi, du Canada? je le vois troisième paire avec Justin Barron, mais ça peut changer. Ouais. Okay. Mais j'imagine que ça va, être, euh, ça va être le shutdown. C'est un shutdown, Caden uh, Gooley. C'est un shutdown qui patine bien. Uh, Ce n'est pas un joueur qui est très, très bon manière de rondelle. C'est d'après moi un joueur qui jamais ne jouera sur le jeu de puissance dans la LNH, uh, okay. pour le Canadien ou ailleurs. Uh, mais c'est un. Ça va être un shutdown. Écoute, je pense que pour, la, pour la, le, le tournoi, ça va, uh, ça va être un bon uh, numéro, uh, numéro 5, mettons. Okay. Okay. Puis Maizak devrait jouer sur le premier trio pour les Tchèques. Ah, Maizak, ça va être le, le, le pilier de la République tchèque qui a une équipe très faible. Oui. Euh, fait écoute, il n'y a pas grand talent dans cette équipe-là. Vraiment -ce que... pas grand talent. Alors, c'est l'occasion pour Maizak qui est déjà pas mal acclimaté au, au jeune Nord-Américain. Il mm -hmm. jouait dans la Ligue de l'Ontario. Ouais. Alors, lui, lui, normalement, devrait être le meilleur joueur de la République tchèque, même à 18 ans. Et puis, euh, je pense que. Oui, ça va être bien de le voir, de voir comment il se, euh, se comporte contre les grosses équipes. À chaque, euh, à chaque repêchage, chaque choix du Canadien est un vol là, dans les médias après. Là. Ah, <laughs> My fait partie de ceux-là. Mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que c'est pas do or die, mais est-ce que c'est là qu'on va savoir de quoi est fait Mysac, justement, cette année? Euh, ça donne une bonne indication. Mm -hmm. Parce que moi, j'aime toujours. Tu sais, les joueurs de 19 ans, c'est trompeur, des fois. Ouais. Ben, mais les joueurs de 18. Ceux qui font belle figure, c'est de bonne augure. Okay. Ouais. Parce que déjà, ils sont plus jeunes que la, 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 la majorité des meilleurs joueurs du tournoi. Donc, si Mysaac arrive, puis comme je t'ai dit, on va laisser faire les matchs contre l'Autriche, là, puis la, 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 ces pays-là. Mais si maintenant un gars comme Isaac, je ne sais pas, moi, est capable contre la Suède, la Russie puis les États-Unis euh, d'avoir un, un plus qu'un point par match, ben déjà. Euh, ça, ça prouvera qu'il est sur la bonne voie. Bon, okay. est-ce que c'est un vol? Écoute, moi je l'avais classé 20e dans mon top 31. Mm -hmm. Donc, je le voyais comme un choix de première ronde, mais tous les choix de première ronde ne deviennent pas des NHLers. Exactement. Alors, tu sais, je veux dire, il a été choisi en deuxième, mais je peux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans mon livre, il était un choix de première ronde. Mais quand tu classes un joueur 20e, tu commences à penser. Euh, Troisième, quatrième trio. là. Mm -hmm. Et je veux dire, selon la logique de départ. C'est sûr mm -hmm. qu'en bout de ligne, il, y a il, y a, il peut avoir un choix de 5e ronde qui devient un joueur de premier trio. Mais je te parle, quand tu fais un classement au départ, tu commences à te rendre compte, quand tu descends ta liste, que, OK, rendu au 20e, tu commences à, un petit peu à lancer des dards. Alors, euh, Myzak, c'est un joueur que, d'après moi, s'il n'y si a pas un rôle offensif dans la NHL, il n'y en aura pas de rôle. Puis le problème, c'est que Marc Bergevin a signé beaucoup de joueurs à long terme mm -hmm. à l'attaque. Il y a Cadenassi, son top 6, même son top 9. Euh, les Toffoli, Gallagher, Josh Anderson. Hey, c'est trois élites ça, qui prennent la place en partant pour plusieurs années. À droite. Il y a Cole Caulfield aussi qui s'en vient. Euh, donc, Mysac, ça va être quoi sa place? Mais ça peut devenir, s'il si, 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 si va bien, ça peut devenir une monnaie d'échange. Euh, à un moment donné, si ah. tu vas aller chercher un joueur d'impact, puis tu as besoin d'inclure un prospect dans l'échange. Mais c'est sûr que comme Isaac, là, sont. mais les, les bons joueurs, c'est quoi? Euh, C'est-à-dire des excellents joueurs à un moment donné, ils trouvent le, le moyen de se frayer le chemin dans la Ligue. Bien d'accord. Tu ah, as, as besoin de relève aussi pour faire des transactions de temps en temps. Fait que ça peut être des belles Exactement. monnaies d'échange, surtout s'il si, y a une hype autour du joueur. Là. Tu n'as jamais assez d'actifs. Tu n'en as jamais assez. As jamais assez. Tu dois oui. les collectionner, les empiler. Euh, les, ça, tu dois en avoir une pile, là, qui, une montagne dans ton, dans ton bureau. Est Ce que les kings de la seine fait. C'est ça, exactement. C'est pour être capable d'aller chercher, ça, c est, c est capable chercher les joueurs que tu vas vouloir au, au temps où tu en as besoin. Euh, Rempler l'aval aussi qui ne va pas très bien depuis qu'ils sont là. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Fait que, si on a une coupe de bons jeunes ça se pousse en bas à vouloir monter au lieu de on sait exactement qui va monter dans un, pour une blessure ou euh, quand les jeunes arrivent, on est obligé de mettre mettre en quatrième ligne parce qu'il n'y a pas le talent pour monter. Ça, c'est un mauvais problème, tandis que plus tu as de talent, je pense tu es mieux d'y que ça dans tes mains. Oui, ah. puis à un moment donné, à Laval, euh, c'est toujours mieux d'avoir des joueurs sous contrat LNH de tout de, week. De, de que de signer un paquet de joueurs finalement qui, sont juste, qui font juste du remplissage de chandail. Mm -hmm. ouais. Si tu veux des prospects à l'aval, tu ne veux pas juste des gars que tu signes pour, euh, pour, euh, pour compléter le line-up et puis que, et que tu rappelles de la, de la East Coast League, de, éventuellement de Trois-Rivières. Tu sais. ouais, si ouais, tu veux vraiment ouais, là, des même. joueurs... Alors, si Maisac se retrouve à l'aval, puis un, un, un Coffee se retrouve à l'aval, puis à un moment donné, tu te retrouves, ben, OK, ben là j'ai 6-7 prospects, puis tu te dis, ben, il va peut-être en sortir un ou deux du lot. Ouais. Plus tu en ouais. as, plus tu de chance qu'en sortant deux. Parce qu'on le sait, il y a une attrition normale qui se fait avec les espoirs dans n'importe quel. Baseball, c'est la même chose. Euh, tu pars avec une. Euh, une, une tu sais, euh, un entonnoir. Un ento... C'est un entonnoir, finalement. Mm -hmm. Tu pars avec 10 euh, espoirs, Là, tout le monde s'emballe, puis tu regardes ça 5 ans plus tard, puis il y en a deux qui ont fait la Ligue. Oui. Ouais. Ah, c'est souvent, tu sais. Au baseball, comparativement au hockey, on en a déjà parlé, ça, mais. On dirait qu'ils vont prendre un package de prospects pour aller chercher un joueur étoile. Puis souvent, il y a souvent des prospects qui ne joueront même pas une game dans le show. Fait que il y a un petit peu cette différence-là, où on reste beaucoup attaché au repêchage et au, au développement, tandis qu'il y a d'autres ligues. Mais là, avec des, des échanges comme il y a eu cette année, euh, des équipes qui se sont pactées, on a vu Columbus, c'était un peu un, un jamais vu aller chercher des joueurs euh, comme ça au deadline, pas cette année, mais l'année précédente. On ils ouais. ont cherché du chaîne euh, des zingles, il y avait rempli. Euh, si ça avait marché, oh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait copié le, le, modèle, le modèle de Columbus. Ouais, ben tu t'aimes pas quand même, mais. Oui, exact. L'important, c'est de te rendre au moins en finale. Hein. Quand, quand tu fais des trucs comme ça, c'est pour te rendre en finale. Ouais. C'est ça, exactement. J'ai envie que tu me parles de la situation des gardiens avec le Canada, moi, rapidement. C'est euh, La situation n'est pas évidente, je pense, là. De ce que j'ai compris, euh, avec la COVID, il n'y a pas eu de pratique, puis ils n'ont pas vraiment vu euh, les joueurs jouer. Ils ont vu pendant la saison ou les, les matchs précédents, mais souvent tu veux rentrer avec un gardien qui est en feu ou qui joue bien. Euh, dans le cas présent, euh, personne n'est en feu, personne ne joue, donc euh, ils ont vu quelques pratiques. Tu penses quoi de la situation dans les buts, toi? Bien, ils ont deux matchs euh, pré-tournoi. Oui. Euh, je pense la Suède puis l'URSS. Ça va donner une idée. J'imagine que... L'URSS, oui. L'URSS, j'aime ça. <laughs> c'est pas un là. Oui, c'est ça que je me l'ai dit. Euh, CCCP, oui. Euh, non, écoute, euh, la Russie puis la Suède, je pense que ça va être quand même des bons tests pour les gardiens de but, mais j'imagine que ça va être une situation flottante dans le sens que... Je pense que les trois gardiens sont, vont, vont, vont être un peu euh, sur la pointe des pieds, dans le sens que s'il y en a un qui joue un mauvais match, il est probablement fini puis il va être remplacé par un autre. Mm -hmm. Mm -hmm. On ne donnera pas le bénéfice du doute à celui qui va mal jouer. Non, okay. non, exact. Parce qu'on en a trois, mais c'est trois. c'est pas trois valeurs sûres, ce pas trois Spencer Knight. Non, non, non tu n'as pas, pas de runner-up pour. Euh... Lui va être le numéro un, sais comme un Spencer Night ou un Askarov, ils ont le net en rentrant dans le tournoi. Hein? T'as pas ça au Canada. Écoute, tu as, as, as le Québécois Devin Levi, ouais. euh, un gars de Montréal qui, euh, qui a joué pour les Lions du lac Saint-Louis okay. et qui après ça, l'an passé, est allé jouer dans la Ligue Juniora de l'Ontario et cette année, qui s'en va à Northeastern, okay. l'équipe de Jordan Harris et Jason, okay. Jaden Struble. Est-ce qu'il va jouer? Écoute, probablement qu'ils vont le mettre au moins une moitié de match dans les, dans les pré-tournois. Mais j'imagine que la priorité va être donnée aux 19 ans là, de, de l'Ouest, Dylan Garand et puis Taylor Gauthier. Ouais. Mais ça, ça. c'est vraiment. Moi, je m'attends à ce que peut-être qu'une coupe de match là, où le Canadien va, le Canada va devoir gagner ça c'est à 5. OK. okay. Il va falloir qu'il soit discipliné aussi. Ça ouais. veut dire. Mais je ne suis pas inquiet. Mais, tu sais, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, puis ça, ça se dessine comme ça, il va y avoir une paire de défenseurs qui vont passer une demi-heure sur la glace, là. Uh, Bowen Byron puis Jamie Drysdale, parle-moi de ça. On n'a pas vu ça souvent, Hallucinant. World Juniors. Hallucinant. Bowen Byron, c'est un joueur de la Ligue nationale. Oui. Uh, Jamie Drysdale, il n'est pas loin. Et puis, c'est des joueurs qui se complètent bien, parce que, oui, ce sont deux joueurs offensifs, mais il y en a, il y en a un qui est peut-être un peu plus petit, puis il y en a un qui est plus costaud. Mm -hmm. Byron est plus costaud. Puis je pense que ça pourrait ressembler un peu à l'équivalent de Weber Swooter à Nashville. Mm -hmm. L'idée de faire jouer tes deux meilleurs gars ensemble, euh, habituellement on essaie de séparer les joueurs, mais là ils ont vraiment mis les deux ensemble, puis je pense que ça va être une paire absolument dominante, euh, euh, Premier Niedermeyer à, à Anaheim l'année de la Coupe, pronger euh, McCannis Preview. Oui, oui. Là, mais, on, oh, non, oh, on va, oh, on va je... faire ton auditoire histoire en bas de 40 ans. Serge Chavard et Larry Robinson. Là, là ben... non, on va faire l'auditoire en, et... en bas de 50. Mais, moi, euh, mais sérieux, sérieusement, là, je, vois un, je vois une combo euh, Weber-Souter-Pronger-Niedermeyer pour euh, drysdale Byron. Mais Moi, j'avais vu, la, on y, ça, ça va ramener les plus jeunes, là, mais Luc Bourdon avec Christopher Latin. C'était assez solide, puis il se complétait à merveille. Fait que, on peut revoir ça, un, un pairing à la défense avec je sais, peu importe les goalers qu'il va avoir, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va passer pour la moitié de la game. Là. Ça, ça va aider beaucoup, puis ils vont tout le temps avoir la rondelle. C'est ça. Alors, euh, non, non, écoute, les, 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 peut-être les éléments, peut-être un petit peu plus point d'interrogation du Canada vont être compensés par les forces qui sont absolument. Euh, T'sais, à l'attaque, c'est 10 sur 10. Mm. <laughs> Puis on, ouais. on, a, on est gros aussi quand même comme équipe. Là. Je ne sais pas euh, comparé aux autres années, je n'ai aucune idée en fait par rapport aux autres années, mais je regarde il y a des CC4, des CC3, des CC1, il y a beaucoup de 6 pieds et plus là, autant défensif à hauteur défensive qu'à l'attaque. Euh, J'ai hâte de voir là, un co-field quand il va pogner le Canada, ça se peut que s'ennuie de sa mère. Ouais. Ouais, il, oui. C est, c est, oui, c'est ça. Il, il, va, il va juste être efficace sur le jeu de puissance. C'est ça. Oui. Mais le Pour le Canada, même s'il y a une mère de joueurs à surveiller, là, euh, un de mes préférés du repêchage de 2019, Peyton Krabs. Oui, OK. Euh, à cause de sa blessure, euh, il n'a pas été vu souvent à l'échelle nationale, mais ça, c'en est un, d'après moi, qui va faire parler de lui. Puis, il est proche. Il est proche de, il est proche de Vegas. OK. Oui, puis, semblerait-il que. Krebs jouerait sa deuxième ligne, moi, ce que j'ai vu en ce moment, oui. euh, avec, avec Quentin Byfield. Je ne oui. me souviens pas de l'autre joueur, là, mais c'était assez dynamique. Cooper Perfetti, je crois. Cooper Perfetti, exactement, oui. oui. C'est <laughs> exactement ça. Sa la troisième ligne, on avait Newhook avec, euh, je pense que c'était Pelletier et, et… Dylan Holloway. Dylan Holloway, exactement. Ah, C'est pacté, là. C'est pacté. Ça, ça va être le fun, là. C'est une domination, pas de défaite. Moi, j'aurais aucune, aucune misère à regarder ça là, pendant le temps des Fêtes. Bien, moi, je dois dire que euh, oh, j'ai rarement prédit des victoires du Canada des dernières années. En général, j'ai eu raison parce qu'ils ont gagné quoi, deux médailles d'or en dix ans, quelque chose comme ça, là, il me oui. semble. Euh, C'est rare que je emballé pour l'équipe. Cette année, je dois dire, si le Canada ne gagne pas la médaille d'or, euh, je suis prêt à faire des affirmations du genre... Euh, <laughs> Je, 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 je prends ma retraite comme analyste hockey <laughs> ou euh, quelque chose de même. Là. Ah ouais. Ah, ah, oui, oui, ah. Oui. Si, si j'étais dit... si si un gros gambler, euh, j'irais à, à Las Vegas et euh, j'en mettrais un moton sur le Canada. Oui, ben c'est ça. Il ne doit pas être payant le Canada cette année. Ouais, non, c'est ça. Ah, ouais. ben, moi, j'ai vu des cotes de 2,5 pour 1 en ce moment. Ah ouais. ouais. Mais mmh. ça va certainement baisser. Oui, oui, mais c'est. Oh, je ne sais, sais, ce sais pas ce que Mise au jeu va faire, là, mais ça ba... va certainement baisser quand ça va sortir. Okay. Simon, euh, on t'a aussi, parce que moi je veux absolument t'amener là, mais on, on t'a parce que tu connais les prospects toi, qui s'en viennent, qui mm -hmm. vont oui. se faire repêcher dans l'année nationale, ceux qui ne sont pas déjà repêchés. On en a parlé, l'équipe du Canada au grand complet déjà repêchée, euh, mis à part le goaler Levi, euh, c'est ça? Euh, non, Gauthier. Gauthier. OK, oui, oui, go. Ouais, Levi, euh, ouais. il, est Floride, qui, il est en Floride. Qui sont les jeunes non repêchés qu'on doit regarder dans les autres pays? J'ai quelques noms là, pour toi, là. Moi, Oui, Finlande, mais écoute, il y, y en a. y en a, y en a pas tant que ça, parce que probablement, ouais. il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui n'auront pas de temps de glace, alors ça ne donne, ça donne rien à les mentionner. Mais je te dirais, là, dans les principaux, il y a Matt Beneers, euh, qui devrait jouer un ouais, ça rôle ça. assez important pour les États-Unis. Qui est à l'Université du Michigan en ce moment, qui devrait être un choix top 10 euh, en 2021. Brad Lambert, mm -hmm. pour la Finlande. Mm -hmm. Oui, <laughs> 16 ans. Oui, lui, c'est pour 2022, parce que c'est un late. Lui aussi devrait jouer un rôle assez important pour la Finlande. Alors, ça, ça, ça c'est un joueur intéressant à voir. Et puis, euh, qu'est-ce que j'avais à part ça sur ma liste? Euh, j'ai vu, moi, Olsson en Suède. Oui, il y a, il y a Oscar Lobson pour la Suède, mais, mais, je, mais je le vois plus comme c'est pas un top prospect, mais peut-être okay. un, un gars de première ronde, possible. Euh, puis, écoute, c est, c est, je te dirais c'est à peu près tout, là, vraiment, dans les joueurs à surveiller qui vont avoir un rôle prépondérant. Il y a peut-être pour la Slovaquie, un défenseur qui s'appelle Simon... Simon euh, Nemec. Ah, OK, parce que moi, j'ai vu Nemeck, la Slovaquie, Mashka... C'est un autre de 16 ans, un jeune défenseur. Euh, mais tout tu pas pour le draft qui s'en vient là en 2000. Oui, 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 oui. oui, ouais, je, je oui, oui okay. Alors, euh, non, non, il y en a quelques uns. Pour, sais tu Sais-tu quoi Les gars de 2022 sont plus intéressants. Ok. Mais le problème, c'est que les gars de 2022, ce qu'ils vont jouer beaucoup. Non, c'est ça. Il ah. euh, y a, y a euh, un, un, un joueur pour la Slovaquie, moi, que j'aime bien. qui joue pour <laughs> Rwanda. C'est Oleksiy Mekluka. Ah. C'était pas il lui. C'était pas, les, pas les, lui qu'on pensait que tu nous parlerais de, de la Slovaquie. Il y en a un autre que tu aimes bien qui joue pour <laughs> le ouais. Oui. Okay. Martin, Martin Chromiak. <laughs> oui. Moi, puis David, on l'avait sur notre liste là, à cause du dernier, euh, dernier podcast. C'est comme il faut qu'on en parle de Chromiak. <laughs> ben c'est sûr. Écoute, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils partent en première ronde, mais j'ai été absolument renversé qu'ils sortent en cinquième. Oui. Cinq, je pensais que quatrième. Moi, moi, la seule affaire là, qui m'inquiète, c'est que le Sangel a beaucoup, beaucoup de prospects. Ah, oui. C'est eux qui n'ont plus, avoir, non ils neuf Ils vont plus avoir de, de la présence. place. Il y en a tellement. Mais je pense que si Gromiac développe son jeu offensif, euh, comme je le pense, il, il devrait lui trouver de la place. Parce que Los Angeles, si tu remarques, ils ont beaucoup d'espoir. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs top niveau là-dedans. Il y a beaucoup de gars que tu dis ben, c'est-tu des, des joueurs de milieu d'alignement? Est-ce qu'ils vont percer? Est-ce qu'ils ne vont pas percer? Tu, sais, tu regardes le Anderson Dolden, Samuel Fajimo. Mm -hmm. euh, tu sais, tu, tu même ouais. euh, 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 Oui, même Alex Turcotte. Il y a des gars là-dedans, tu, tu, tu te poses. Il y, y a beaucoup de points d'interrogation à, 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 à part Byfield qui, lui, a le chemin grand ouvert. Là. Mm -hmm. Mais écoute, Chromiak, euh, je ne perds pas espoir. Il va jouer cette année à Hamilton avec euh, Shane Wright, même pour les deux oh. prochaines saisons. Okay. Il va jouer avec Shane Wright à Hamilton. Ça, ça va certainement l'aider ben oui. à progresser comme joueur. Fait que Non, non, moi, je suis toujours confiant. Euh, J'ai été surpris. À un moment donné, je, je me suis dit, écoute, maximum troisième ronde, mais il ne sortait pas, il ne sortait pas, il sortit 128e. <laughs> mais mais dis-toi une chose, c'est qu'en 2013, euh, Victor Harvilson n'est pas sorti. Puis je, je l'avais top 10. Okay. Il est sorti Alors, en okay. 2014, finalement. Un, un marqueur de 30 buts dans la ligne Et voilà. Fait que, ouais. Écoute, on va espérer que, premier, que soit la même chose, mais. Tu sais, comme on dit, euh, c'est hit and miss, là, des fois t'en. Des fois tu l'as, des fois tu <laughs> ah, ouais, tombes. Ben oui, J'espère que Chromiac va devenir mon, mon Art de Sin 10 ans plus tard. Juste comme ça, ça c'est quoi son 16 à Chromiac? C'est un petit joueur? Non. Euh, je te okay. dirais que c'est un gars qui tourne autour de, de SPI 175 à peu près okay, en okay, ce okay. moment, là. Okay. de mémoire. Là. Okay. Je ne l'ai pas exact, là. tu peux faire des recherches. Mais, mais, euh, moi, moi. mais non, non, c'est pas, pas un joueur de 5,8, 5,9. Okay. Mais, mais moi, tu avais piqué ma curiosité, je suis allé voir un peu de vidéos sur Chromiak, puis il euh, y a certainement du talent. Là. Ben dans, oui. la, dans la OHL, il va, il va dominer. Ça va être un gars qui va finir top 10 d'un point, je pense, pour les deux prochaines années. Beaucoup, beaucoup de talent. C'est un, un gros pic pour les Kings en cinquième ronde. Moi, je pense que oui. Puis euh, écoute, en cinquième ronde, de toute façon, qu'est-ce que les clubs ont faire? Exact. exact. Moi, ça me fascine ah, ouais. quand ah, les oui. clubs rendus en troisième, quatrième ronde commencent à chercher des joueurs de rôle. Ben oui, repêche-t-on du talent, puis tu demandes le ressort après le cadre. <laughs> hein? Avec, avec le talent que t'as en bas, t'irais chercher ton joueur de rôle. Ben c'est ça. Ben oui, il en train de partout de Et... dans les poubelles le 1er juillet des, 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 des gars de rôle. <laughs> des gars qui sont bons dans la chambre. Ben il faudrait pas, pas qu'ils mettent dans un meeting eux autres euh, de, 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 de draft, parce que je te dis que... <laughs> en tout cas. <laughs> ouais, Max, Max, je sais que toi, tes origines t'amènent à aimer un certain joueur qui va faire partie de ce championnat-là. Euh, Garde-toi, laisse-toi aller ouais. un peu. Tim Schutzl. 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 Ouais, ça, ça, c'est. Ça, 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 ça se prononce comme Marco Sturm. Tu sais, l'ancien joueur des, euh... des coachs à Los Angeles en ce moment, c'est Moi, Moi, je l'ai entendu des commentateurs allemands, là. Je parle, je parle zéro mot allemand. Je connais absolument rien de ce pays-là. Mais euh, les commentateurs le prononçaient comme ça. Je suis tout de suite là. De loin, Merci. celui qui m'a le plus impressionné l'année passée au championnat du monde. Oui. Euh, je suis tombé en amour avec lui. Puis moi, je l'aurais pris en avant de la Lafrenière, même si Lafrenière est un no doubt. Je suis en amour avec la façon qu'il jouait. Puis je trouvais qu'il prenait sa place tellement bien. Je l'aurais un Game Ball, moi. Bon là, 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 ça c'était arrangé d'avance. Hein? Non, 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 pas, non. Du tout. pas du tout. Non, non, même pas. J'ai dit, dit la même chose. Ben eh oui. OK. okay je pense... pas, Ma, Max, si tu as écouté. Pensez-vous Max... médié avec. Non, 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 pas du tout. Pas du oh. tout. Non, Max, pas. Max est d'origine allemande. Ben, allemand aussi. Ah, c'est allemand, hein? okay. oui. <coughs> fait qu'il l'aime bien. Ouais. Okay, écoute, moi, c'est le joueur que je surveille dans ce tournoi-là. Et puis j'ai hâte qu'il s'en vienne à Ottawa. Puis... J'attends avec impatience ses premiers pas d'Allen H. Ça se peut que la frenère soit meilleure que lui cette année, mm -hmm. parce que la frenière a quand même trois ans de junior derrière la cravate. Alors il va falloir être patient. Puis la frennière arrive peut-être dans un meilleur contexte avec les Rangers. Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. éventuellement, dans deux, trois ans, euh, moi j'ai bien confiance que l'impact de, de tout là soit égal ou supérieur à celui de, de la frennière. Puis ça n'enlève rien à la frenier qui, d'après moi, va être une, 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 une vedette, lui aussi. Oui, absolument. Puis même. Quand j'ai sorti ça aux gars, les gars m'ont. Euh, parce qu'ils ont fait un pre-draft, un peu, là, puis j'ai amené ce nom-là, puis ils m'ont dit, euh, Snake Bover a dit exactement la même affaire que toi, il a aussi de place. C'est sérieux? Moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce joueur-là, l'année passée. Là, Et je t'aime beaucoup en passant. Hein? <laughs> <laughs> hey, je te comprends, moi aussi, j'ai un Man crush avec Max, à <laughs> Juste à dire, là, Simon, on est allé, on a fait un petit passage à la poche bleue euh, au mois d'octobre. Puis euh, Maxime Lapierre, on a cité ton nom, là, parce que <laughs> c'est quand, quand même drôle. Guillaume Lavandreuse dit « Qu'est-ce que Simon Boisvert a sorti que c'est même pas Lafrenière qui sort premier? » Puis on dit « C'est tout du là, Lapierre dit « Moi, j'ai joué sa glace avec. » Il dit « J'ai pas vu Lafrenière jouer, mais j'aurais pas de misère à croire que ce serait lui le numéro un. Il est dominant, puis il joue une ligue d'hommes. Puis il dit ça, nous autres, ça nous impressionne. Un gars de 18 ans, pas de barbe encore, qui joue contre des hommes, puis qui domine, c'est quelque chose à voir. » Fait que vous êtes une coupe dans le même bateau à penser que peut sortir comme le meilleur joueur de ce draft. C'est Maxime Lapierre qui a dit ça. Oui. Ouais. Okay. Tu peux, euh, si, euh, si je ne sais pas si tu es abonné à nos, à nos réseaux sociaux, mais c est, c est, euh, tu peux voir notre passage ou entendre notre passage à la Poche bleue puis on, on mentionne ton nom puis on parle justement de alors, si tu mentionnes mon nom c'est sûr que je vais le chercher <laughs> tu vas le trouver j'ai un, un petit côté un petit côté un petit peu égocentrique là. Alors, mais oui <laughs> ben oui ça fait du bien hein côté <laughs> narcissique là alors euh, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde qui a suivi le snake connaît son côté narcissique ben oui alors, de lui à la troisième personne du pluriel du singulier euh, <rire> <rire> Non, c'est bien, mais, mais la, la pierre, comme ça, il a été sur la glace. Parce que la pierre, il a terminé sa carrière en Europe, c'est ça, hein? Oui, en Allemagne. Ah, c'est ah, Il, avec ça, ça. il ça. jouait avec Lucas Reichel l'année passée. Ah, ouais. euh, oh, OK, qui malheureusement ne sera pas au tournoi. Non, parce que la COVID. Oui. Que... JJ Peterka, je pense, lui, il va être là. Lui, lui, lui va être là, ouais, Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là parce qu'il y en a à cause de la COVID ou d'autres raisons? Est-ce qu'il y en a que toi, tu es déçu de ne pas les voir justement? Il y en a un. un... Euh, ben, Cider, lui, c'est lui qui a décidé de ne pas y aller. Saider, ouais. on le connaît déjà. Tu sais, je l'ai regardé dans la Ligue américaine l'année passée. Moi, j'aurais aimé voir William Eklund, le Suédois, ouais, okay. Il est pressenti pour le top 10. Mm -hmm. euh, je me souviens de lui tu sais, à l'âge de 15-16 ans, mais là, ça commence à. Ça va être dur de faire des évaluations cette année. là. Il ouais. ah, oui. va falloir sortir les notes euh, d'il y a un an et demi. là. Ça... <laughs> Ça, ça va être un drôle de repêchage de ce côté-là, mais oui, Eklund, je suis déçu, moi, que euh, l'histoire de la COVID. Pour le Canada, je sais qu'il y en a quelques-uns, comme euh, Ridley euh, Grieg euh, d'Ottawa, des sénateurs, oui. qui auraient pu être là. Ça aurait été bien de le voir, mais tu sais, c'est vraiment Eklund, moi, qui m'a okay. déçu. Okay. Okay. Moi, j'ai un joueur que, que je pense qui peut connaître un, un gros tournoi puis être, être nommé sur l'équipe d'étoiles et qu'on n'a pas parlé, Lucas Raymond. Ouais. Avec la Suède. La Suède s'enligne avec une défensive là, incroyable. Euh, c'est sûr qu'il qu'ils aura pas Wallander, là, mais ah. Sutterstrom, Broberg, puis... Euh, Bjorn Foot. Foot, exactement, qui a été drafté justement à Los Angeles. Il a très bien euh, joué dans la Ligue américaine l'an passé. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est une défensive, c'est un gros top 3, c'est un, un big 3. Ah, c'est euh, un big 3. Ils vont, ils vont manquer peut-être un peu d'offensive euh, cette année en Suède, mais tu, tu vois quoi pour eux? Tu vois quoi pour Lucas et ben tu, sais tu sais que la Suède, c est, c est un, on le répète à chaque année, mais ils n'ont pas perdu un match de ronde préliminaire depuis 15 ans. OK. <laughs> je pense qu'ils ont 51 ou 52 victoires de suite. Wow. Okay. Depuis 2006, je crois qu'ils n'ont pas perdu un match. Ben, en fait, je reformule ma question. Est-ce que c'est cette année qu'ils en perdent un? d'après ben, moi, c'est. Une autre prédiction choc la Suède perd un, un, un match de ronde préliminaire cette année. Je ne crois pas qu'ils vont battre et la Russie et les États-Unis. Et, et États D'après moi, je les vois en perdre au moins un, 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 un de ces deux matchs-là. Ouais. Okay. Okay. Euh, man... ils, ils ont quelques joueurs intéressants à l'attaque, évidemment Raymond et euh, Holtz, Alexander Holtz. Mm -hmm. Il y a quelques joueurs secondaires euh, qui sont pas si mal. Mais écoute, tu peux pas reposer ton attaque sur, sur deux joueurs dans un tournoi comme ça puis espérer battre le Canada qui a quatre trios. <rire> <rire> Encore une exact. fois, c'est ça, ça. Fait que ça, euh, non. La Suède, euh, je les vois pas vraiment. Je les vois pas comme, des, comme une équipe qui pourrait battre le Canada. S'il y a quelqu'un qui peut battre le Canada, ça sera pas eux. Okay. C'est qui, c'est qui ton top Le euh, Canada ben, fait, je, facilement premier, mais ouais, c'est ça. C est, c est, euh, après Canada le Canada. Canada-Russie-États-Unis. Ouais. Dans l'or? Oui, mais, mais regarde, ils sont de tous les. Suède aussi, USA sont dans le même euh, dans la même conférence. Alors, ça signifie peut-être qu'il y en a un là-dedans qui... a... C'est sûr qu'il y en a un là-dedans qui va probablement sortir encore de finale. Oui. Fait que je ne sais pas trop trop. Mais moi, moi je te parle là, comme force là, sur papier, Canada, Russie, États-Unis. Canada, Russie, États-Unis. Okay. Puis j'imagine que tu mets les Russes aussi haut à cause d'un Askarov. Non, je mets les Russes aussi haut parce que leur, euh, leur groupe d'attaquants est pas loin de celui du Canada. Tant que ça Ouais. Ça okay. ça me fait peur. Au Canada là, on, quand on est trop dominant à l'attaque, on a des suspects de, entre les deux poteaux là, On se fait tout le temps. Bon. On Écoute, se fait tout le temps six match de ça ouais. pourrait être celui-là. <laughs> OK, ouais. Écoute, oui. ils ont euh, Koutnoudzinov, euh, Amirov, Potkodzin, ouais. Chinakov. Écoute, c'est des gars. Euh, là, je te parle tous des gars de, de première ronde, là, première, deuxième ronde. OK. Puis euh, ils ont du gros firepower. Euh, puis la, la défense, comme tu dis, elle est jeune. Ouais. Euh, et, 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 et je pense que c'est ça. Askarov, il ne pourra pas tout arrêter. D'où mon idée du 6 à 5. Mais mmh. le Canada va avoir de la misère à arrêter cette attaque-là aussi. Alors, okay. juste me faire mentir, ça va finir 2-1, mais en tout cas. <laughs> et on, et on parle... Non, mais c'est comme l'over-under au football. Ah, il va se compter 65 points dans ce match-là, les deux clubs n'ont pas de défensive. Ça finit 24 à 17. Ouais, c'est un classique, ça. <laughs> c'est un classique, ça. Mais alors, ça, ça vraiment, ça demeure des prédictions vraiment. Euh, quand tu, tu lances des dards, c'est un peu farfelu. Mais, euh, mais ce qui n'est pas farfelu, c'est que la, la Russie a une grosse attaque. Okay. Bon, il nous reste à peu près entre 5 et 10 minutes là, environ. Oui. Moi, je veux finir, puis si vous avez d'autres questions, allez-y, je vais juste amener ça, mais je veux vraiment qu'à la fin, tu nous donnes ton équipe d'étoiles selon toi à la fin du tournoi. Euh, oh. Mais avant d'aller là, avant d'aller si vous avez des questions, j'aimerais qu'on finisse là-dessus, mais si vous avez d'autres questions, go. Ben, moi, en fait, on a pas mal fait le tour de ce que je voulais te parler. Moi, j'ai un gars que tu en as parlé avant que je te parle, mais Kirby Doc. Euh, je je m'attends à du, comme du, quasiment du jamais ben, du pas vu. On n'a pas vu ça dans les dix dernières années le, comment il va dominer ce tournoi-là. T'as-tu le même feeling, tu, vois -tu ça tu même toi aussi? Oui, ça va ressembler à Peter Forsberg euh, euh, il, y a, il y a très longtemps là, contre le Japon qui a fait 10 points ou je sais pas quoi. Le Japon. <laughs> ouais, oui, c'est ça qui avait gonflé <laughs> ses stats. Mais je pense qu'il va y avoir quelques pique-niques du côté de Kirby Doc, surtout avant le préliminaire, que le Canadien, le Canada est dans une, euh, une poule très faible. Ouais. Alors, je pense qu'il va y avoir euh, un, des, des, des pique-niques pour le, le premier trio du Canada. <laughs> okay. Non, moi, c ça fait pas mal le tour. Spencer Knight, on a parlé, Drysdale Bowen, je vais te parler. Non, moi, j'ai fait le tour de ce que, que j'avais pour toi, Simon. J'aimerais ça l'entendre, ton équipe d'étoiles, par exemple. Ben, écoute, euh, ça, mais... Je parle un peu avec les... Les ailiers gauche, alliés droits. Je voyais avec trois attaquants. Oh, ben oui, oui, ça fait. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, 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 ben. Bon, oui, tu sais. Ben écoute, euh, moi, je te dirais, là, vite, vite comme ça, là, euh, je dirais euh, à l'attaque. Dak va être là. Je, met, je mettrais euh, Kirby Dock à l'attaque. Oui. Euh, Trevor Zegris des États-Unis. Mm -hmm. Et puis. Euh, Écoute, un autre joueur du Canada, mettons peut-être Dylan Cousins. OK. Donc, pas de thème. Il n'ira pas assez loin dans le tournoi. Il ira pas assez loin. Il y a pas assez de soutien. Mais est-ce qu'il va être impressionnant? Oui, il va être impressionnant. Mais ce n'est pas un gars qui va faire 14 points dans le tournoi non plus. Là. Okay. Il n'y a, a, a pas de soutien. Il n'y a même pas Raquel, il n'est même pas là. Alors, je vais avoir un peu après ça, mais comme tu te dis, là, on lance des noms. Euh, Bowen Byram à la défense. Oui. Puis, euh, écoute, je ne serais pas surpris que ce soit euh, Drysdale avec lui. Là. Bowen, Drysdale. <laughs> Byron euh, et puis Drysdale probablement à la défense. Je t'aurais dit Moritz Siders s'il avait été là, mais il n'est pas ouais. là. Okay. Puis, le, le edge dans le net, est-ce que tu le donnes à Spencer Knight ou Yaroslav Askarov? OK. Ça ben, encore, c'est du pile ou face. Euh, je te dirais que en ce moment, là, en, 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 au mois de décembre 2020, le Edge est honnête. Okay. Est-ce que ça va être ça dans cinq ans, six ans? Peut-être pas. Mais pour le moment, euh, j'aurais plus confiance en Spencer Knight, alors je vais y aller avec Spencer Knight. Okay. Je ne pense pas okay. que ce soit le gardien de but du Canada, à moins que... À moins, à moins, à moins d'un miracle. Tu sais, on ne ouais. sait jamais, ces tournois-là. Hein? Mm -hmm. oh, oui, euh, ils ont tellement une bonne défensive. Si le gars n'a pas de but à cause de la défensive, ils, ils vont dire que ça a été le meilleur gardien du tournoi. Ben, oui. Puis là, ça va devenir la nouvelle idole... Euh, de tout le monde, comment ça se fait que comment ça se fait qu'il était repêché en sixième round? Comment ça se fait? Bon. Le, le, Donc, le prochain, euh, Leland le, Irving. de irving Je dirais là, euh, en, moi, je te dirais que je suis les gardiens de but, Spencer Knight. OK. okay. J'ai pas ouais. mal la même affaire. Moi, j'avais Dak, mais moi, j'ai mis Cole Cofield dans mon dans mon All-Star. Okay. Ah, j'ai l'impression que, que USA va faire une long run. Puis je bon, pense que Cofield. Tu sais, moi, j'avais Cofield over <laughs> Z Grass parce que <laughs> Cofield va scorer les buts, mais tout simplement. Ouais. Euh, puis ça. Moi, j'avais Lucas Raymond comme troisième. Dans la défense, j'avais la paire Bowen-Drysdale. Je pense que ça va être un, un pique-nique, comme tu dis, mais ça va être dominant. C est, c est, ce que j'ai le plus hâte de voir, moi, c'est Bowen et Drysdale ensemble brûler les autres équipes. Ah, ça, va être, ça va être hallucinant. Ils vont toujours avoir la rondelle. Je les vois là, déjà dans ma tête s'échanger ça à la ligne bleue. Il y en a un qui monte à gauche ou qui monte à droite. Puis, écoute, ça, va être, euh, ça va être tout un show. Hey, J'en ai une petite dernière. Excuse, moi mais je veux vraiment savoir, des gars qui sont au tournoi, on sait que Dak a joué dans la Ligue nationale l'année passée. Qui tu penses, après le tournoi, s'en va jouer pour son équipe? Je suis ça à Ottawa. Je suis tous à Ottawa. Pas forcément byfield à Los Angeles. Je ne suis pas surpris. Au moins, aucun entraînement, tu sais. Je ne serais pas surpris. À part ça, je pense que les Suédois vont rester chez eux. Les, les Américains, eux autres, ils vont rester à l'université. Mm -hmm. D'après moi, là, les Boldy, euh, Turc, euh, pas, pas Turcotte, grass. mais Baldy, Clark et compagnie, Turcotte devrait s'amener à la Ligue américaine. Peut-être Marco Rossi au Minnesota. L'Autrichien. Okay. Il, il est possible qu'il soit au Minnesota. Alors, c'est à peu près ceux-là. Euh, euh, Villainola, peut-être à Winnipeg. Il avait oui. joué à Winnipeg l'an passé. Alors, il pourrait y en avoir quelques-uns, mais tout cela, lui, euh, d'après moi, <laughs> c'est direct le camp d'Ottawa après. <laughs> tout de suite, quand son élimination est confirmée, ah, oui. un, vol. un vol direct. No le, le, 2, le 2 janvier au soir, boum, Edmonton a Il est revenu. Eh bien, à, Ma question pour toi, en fait, euh, c'est juste que moi, je ne suis pas capable d'accrocher sur Lucas Raymond. Je l'ai vu jouer, puis ce que je lis de lui, puis tout ça, je n'accroche pas. Puis David, c'est le contraire. Lui, partout, il met dans un ses tops. Il met beaucoup. Il est quoi? C'est un fan, il en parle tout le temps, temps. J'ai envie de te demander d'essayer de me convaincre sur Luca Raymond. Je ne sais pas. Moi, je le vois pas. Je, je le vois être un bon joueur, évidemment, là, mais ce que j'ai lu, c'est que c'est un joueur qui, qui, qui est peut-être pas très physique, puis qui est très petit. Tu sais est mieux d'avoir bien des skills et de peut-être prendre la maturité physiquement. Là, ce, qui, ce que j'imagine qu'il va faire, mais pour l'instant, moi, je ne sais pas. Il ne m'impressionne pas pour l'instant. Le m'en de la bouche. <laughs> C'est ce que j'avais dit à ça. David, je crois, dans notre podcast au mois d'octobre. Mais j'aime ça. Lucas Freeman, je pense, si ma mémoire est bonne, je pense que je l'avais classé 10e euh, euh, ou 11e, quelque chose de même. Tant que ça, hein? Oui. Et... Alors moi, j'étais euh, Quand il est sorti 4e, je me suis dit, ouais, il en restait d'autres, là, sur le board. Ouais. Euh, moi, et, et je les vois, les skills. Je ne suis pas aveugle. Mais c'est l'aspect... C'est justement l'aspect de bataille pour la rondelle, trafic en zone adverse. C'est tough faire son chemin dans la ligne nationale si tu n'es pas physique. Puis mmh. quand je parle de physique, je ne parle pas de donner des mises en échec de, 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 non, non. de la, ligne, la ligne bleue. Là. Mais être capable, il eh, faut que tu sois fort. Il faut que tu sois capable d'arriver Puis euh, le long de la rampe. Là, puis là, là, tu te bats contre un défenseur de 6 pieds et 3, 210 livres. Il faut peut-être chercher la rondelle. Lucas Raymond. Je, je, moi non plus, je ne le vois pas, ça. Je ne l'imagine pas sur une petite histoire de l'international comme ça, mais il y a du talent, il y a des skills. Il euh, y en a qui l'ont comparé à Mitch Marner. Wow. Okay. Mais moi, je ne le trouve pas aussi bon que Mitch Marner, que j'aime beaucoup. Puis, je ne sais pas s'il va développer la, la, le minimum de force physique requis que Marner a. Mais Marner n'est pas fort non plus, mais il y a un minimum quand même. Peut-être mm -hmm. à 21 ans, 21, 22 ans. Mais moi, écoute, je l'ai classé 10-11e, je ne l'ai pas mis 50e non plus. Non, non, non. Mais, mais il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pris avant, fait que j'ai tendance à abonder dans ton sens et un petit peu moins dans le sens de David. Ben, <laughs> moi, je vois, je, je vois déjà la ligne Manta Larkin-Raymond se dessiner. Rêve pas trop euh, en couleur. Ben, c'est ce que je vois. Hey, là c'est ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'écran en ce moment qui va avoir raison. Ils vont être trois, oui. puis peut-être qu'ils vont être oui. seuls. seul. Ça ne sera pas Max, ça ne sera pas Max, si c'est pas. C'est ça. C'est mieux ne pas prononcer, <laughs> mais hey, moi j'ai un toc d'envie. Quand que je recrute des joueurs de baseball, j'aime tout le temps ça les comparer à des gars que j'ai déjà coachés. Ouais. C'est-tu un Abraham Toro, cest tu un, un autre, à quoi qu'il ressemble. Moi, je veux savoir dans Team Canada, c'est qui notre Jordan Eberle? C'est qui qui va scorer le gros goal. Je sais qu'il va tu être faire big time. Je sais qui, qui va dire. Cole Perfetti. Oh. OK. J'aime ça. madame j'en Philippe Tomasino, honnêtement. Écoute, il fallait que j'en prenne mm. un. OK. OK. Parce que normalement, Perfetti va jouer dans plus de situations que Tomasino. OK. Alors, je vais... je vais y aller avec Cole Perfetti. Ça va être Perfetti. Le... Mais... Mais ils n'auront peut-être pas besoin. Ça va peut-être finir 7 à 1 toutes les games aussi. Ils vont avoir une game serré à un moment donné. Je suis sûr. Ils vont en <laughs> avoir une. Ouais, celle de 650. J'espère juste que ce ne sera pas la finale après que j'aurai misé mon 50 000 sur le Canada. Ouais, C'est <laughs> ça. <rire> Pour faire 6 piastres au total. 6 uh, ouais. piastres au total, oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Écoute, il eh, y, y a tellement de noms qu'on aurait pu parler encore. Tu sais, on n'a même pas parlé ouais. de Jack Quinn puis il y a d'autres, des, des Ryan Suzuki et tout ça. Là. Mais écoute, Simon, je ne veux pas prendre trop de ton temps non plus. Tu nous as donné 50 minutes. Euh, c'est vraiment, vraiment apprécié. Euh, Puis on va se souhaiter un, un beau tournoi. S'il y a lieu, là, parce que je sais qu'encore la COVID, mêlée là-dedans, tout ça, c'est sûr que ça va avoir lieu parce que je ne pense pas qu'ils peuvent permettre d'arrêter ça. Ben, mais, ils quand euh... même, les gars. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. On sait jamais. Mais moi, euh, ouais, j'ai hâte que ça commence. Je pense que ça va nous faire du bien pendant les fêtes d'écouter euh, du hockey junior comme à l'habitude. Euh, si jamais on l'entend à perche comme ça, Simon, mais si jamais as des disponibilités post-draft. Euh, Pose ton poste tournoi, on, on, fera une petite analyse, euh, on fera une petite analyse de ce qui s'est passé suite à, nous, euh, à, notre, à notre podcast. Oui, puis si le Canada perd, ben, ben, je, ça. je vais peut-être être, euh, peut -être, être au bureau du syndic. On va <rire> ressortir l'extrait. C'est enregistré, ça? ça? Oui, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Ah, un gros merci, merci euh, Simon. Bon. Je merci, Simon. Merci vais venir saisir ma maison. <rire> <rire> Appelle-moi, je vais essayer de te démarrer. J'ai une chambre de libre en haut s'il y a de quoi. Salut Simon. Merci. Merci Simon. Bonne soirée.